Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va écouter ce son de Serge Beno featuring Yodé et Siro. Terre d'Ivoire, j'imagine que c'est pour la CAN 2024 qui arrive. Je vais écouter, c'est chez Universal Music Africa. Il y a une prod produite par Shadow Chris et réalisée par Nonos Dave, qu'on connaît évidemment. Let's go. Très rythmé, d'avance, direct. Il a cette voix, franchement. Je pense que c'est l'image qu'on verra le plus de cette CAN, ce pont magistral de la Côte d'Ivoire. Il est tellement incroyable ce gars-là, sa voix. Il a tellement une voix incroyable, c'est dingue. Je trouve que ça passe super bien le son. Le plus doux, il a dit. Franchement, il passe bien ce son. Yodé et Siro, je vais juste regarder. Ils viennent d'où? Est-ce qu'ils sont ensemble? Ouais. Un groupe de musique de Zouglou ivoirien, je connaissais pas, originaire d'Abidjan. D'accord. En fait, c'est un groupe de Zouglou ivoirien, Yodé et Siro. Donc, full. Full Côte d'Ivoire sur ce son. Franchement, le son il passe bien parce que il y a ce. En fait, ils font du zouglou. Franchement, c'est hyper bien rythmé. Shadow Chris, il a envoyé une prod vraiment calibrée pour être en même temps moderne, tendance, le petit côté traditionnel évidemment, le festif, l'ambiance. Et que ça passe partout, tu vois. C'est ça qui est fort chez eux, évidemment. Le visuel est beau aussi, hein. C'est vraiment un partage de couleurs, de tout ce qu'il y a d'intéressant à voir aussi. Et cette culture ivoirienne. C'est hyper bien rythmé, je kiffe. Serge Beno, Yodé, Siro. C'est vraiment du bon, du très très bon. J'ai vu un verre avec écrit ivoire, je sais pas si c'est une bière ou un queutru. Franchement, le son il est trop doux, il est bon à écouter. Les gars, ils ont fait un travail hyper remarquable dessus. Que ce soit au niveau de la prod, le visuel, le son. Franchement, les voix elles étaient vraiment bonnes. Hein. Tu vois, jusqu'aux dernières finitions du son. Il termine en feu d'artifice comme ça. Magnifique, hein. Franchement, du très très beau travail. Et l'ambiance. En fait, elle te rend tout de suite à l'intérieur, tu vois. Il y a cette ambiance, tu vois, que tu peux pas enlever. Il y a une ambiance tellement facile à récupérer comme ça, là. Ça te prend tout de suite. Tu peux facilement mettre ça en boucle. Donc, franchement, joli, hein. Joli, c'est Serge Beno, Yodé et Siro, ce groupe de Zouglou ivoirien. Le titre s'appelle Terre d'Ivoire chez Universal Music Africa. Du bon boulot, hein. Franchement, j'aime beaucoup le rythme. Il est pas démesuré, le rythme. Il est juste ce qu'il faut pour mettre une belle ambiance avec des gars qui savent chanter. Franchement, beau duo, hein. Enfin, beau duo. Le groupe plus Serge, franchement, joli, hein. Très, très, très bien fait. S'appelle Terre d'Ivoire. Et Shadow Chris à la prod, franchement, joli. Shadow Chris sait tout faire, ce gars-là. Du beau boulot, hein. Nonos Dave à la Real qui a fait un beau clip aussi. Non, il y a des très bonnes choses dessus.
J'aime la solidarité de mes frères ivoiriens. Que Dieu nous maintienne ensemble pour l'éternité. Amen. Merci les artistes du Camerounais, mais j'aime les Ivoires, surtout le rythme musical. C'est vraiment à l'image des Ivoiriens que nous sommes avec notre identité culturelle. Zouglouti, bravo à vous. Non, franchement, c'est un beau mélange ce son. Hein. Franchement, c'est vraiment un beau mélange entre cette tendance, cette modernité et cette culture zougloutique, comme le dit dans le commentaire. C'est du bon boulot. Hein. Les gars, la Côte d'Ivoire dans son entièreté est très fière pour l'apport de nos artistes à ce événement panafricain. Je suis vraiment fier particulièrement de notre nation. C'est beau, hein. Franchement, c'est bien. Hein. Je sais pas s'il y a un pays qui a fait autant de belles promos comme ça, qui a vraiment mis la musique en avant au travers des artistes de tout le continent. C'est vraiment beau. Après, voilà, je suis pas, j'ai pas vu comment c'était les autres Cannes, etc. Mais de ce que je peux voir là, c'est vraiment hyper bien bossé. En termes d'image, il y a énormément eu d'artistes qui ont fait des sons, des featuring, des collaborations avec d'autres pays, etc. Pour promouvoir cette CAN, pour promouvoir aussi cette CAN en Côte d'Ivoire, surtout aussi. C'est pas juste cette CAN, c'est vraiment pour promouvoir la Côte d'Ivoire. C'est vraiment, il y a eu un gros travail de fait. Donc chapeau à toutes les personnes qui ont œuvré pour envoyer autant de force à ce continent, à ce pays et à cet événement, parce que c'est beau, tu vois. Je sais pas s'il y en a beaucoup comme ça. J'ai pas l'impression que dans les autres événements ailleurs, que ce soit dans d'autres continents ou d'autres types d'événements hors football ou etc., qu'il y ait autant de partage, de content d'aller dans ce pays-là, de partager un moment de bonheur, de joie. C'est assez fou. Franchement, je prends une claque à chaque fois que je vois ces sons, ces collabs, etc. C'est beau. En plus, ça vient d'autres pays, ça vient de partout, enfin, ça vient vraiment de partout. C'est bon, en tout cas. Bon, on se quitte dessus, on a fait le tour. C'est du bon son. Terre d'Ivoire s'appelle Serge Beno et Yodé Siro, ce groupe de Zouglou, dinguerie. Et donc, on se quitte dessus, je vous dis à la prochaine. Et ciao, ciao.